Coucou tout le monde. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, c'est pour faire du coup une sorte de petit trailer à une vidéo du coup que je vais bientôt poster sur cette chaîne. Et donc qui sera au nom du coup de 2016 Summer Marathon partie 2 sur 2. Parce qu'en fait, le 2016 Summer Marathon, en fait, c'est du coup un marathon que j'ai fait sur l'HS. Bon, au total, je l'ai fait que de 2h à 6h du matin et de 14h à 16h, il me semble. Enfin, c'est un truc comme ça pour l'après-midi. Donc voilà, et c'est quelques extraits du coup que j'ai choisi de vous montrer. Donc, c'est parce qu'en fait, c'est que je les ai marqués sur une petite feuille à côté. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a d'abord cet extrait. En fait, et c'est parce qu'on fait une petite course au pion. Oula, non, c'est bon, ça bug. Et bon, alors c'est parce qu'en fait, ici, en fait, que je bouge mon roi. Et sauf qu'il prend pas directement le fou. Je vois toujours pas que mon fou est en prise. Et du coup, il le prend. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, évidemment. J'abandonne. Ensuite, l'autre extrait, c'était à 15h21. Et ici, je vois juste pas en fait que sa tour est en prise. Et enfin, c'est pas en fait, et que c'est que puisqu'il est à 2000 en fait, et que j'ai juste pas vérifié en fait. Et voilà. Voilà, bon, ouais, du coup, bon, et ensuite ici ça continue, du coup, cette partie-là elle continue jusqu'à 23 minutes, et au final, ben, ça termine en fait par un match nul. C'est parce qu'en fait, c'est qu'à la fin, en fait, et c'est parce qu'on va juste répéter les coups, en tout cas, je vais répéter les coups. Bon, parce qu'en fait, il me semble pas que je peux gagner cette finale. Et même si on fait le total du matériel, donc, et ça fait donc un fou et deux pions contre une tour. Donc ce qui fait que ça fait donc 5 à 5. Ensuite, l'autre extrait, c'est à 26 minutes 50. Voilà. Et ici, je fais une petite tactiquerie. Alors voilà. Alors en fait, ici, donc, c'est parce qu'il prend avec le fou. Bon, remarque que. Voilà, donc en fait, et qu'il prend avec le fou, je peux pas prendre à cause de la fourchette. Alors voilà. Et en fait, et justement, un petit exercice, du coup, sur fou prend G3. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Bon, alors ici donc, et que vous pouvez cliquer sur pause si vous voulez chercher ce qui se passe sur fou prend G3, ou sinon, ou là en fait, et que je remets en marche la vidéo. Voilà, et donc tour prend E4, et qui permet de profiter donc du mat du couloir. Bon, du coup, c'est parce qu'on va voir la fin de cette remarque, peut-être. En fait, peut-être pas. Remarque. Non, mais en fait, c'est bon. Non, parce qu'en fait, c'était que cette petite astuce avec le match du couloir, du coup, que je tenais à vous montrer. Ensuite, l'autre extrait, il était ici. Voilà. Voilà. Et ici, en fait, c'est assez amusant, en fait. Donc ici du coup j'attaque sa dame. Voilà. Il me semble que ça. Avec Sébastien en D3. Du coup il me semble que je prends BD2. Enfin je veux pas dire de bêtises, mais. Et je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et là, du coup, je pense que je trouve quand même un coup qui est quand même assez intéressant. Et c'est. Enfin, vous remarquez que je voulais faire un peu réfléchir. Et vous pouvez cliquer encore sur pause si vous le souhaitez. Donc, cavalier prend F2. Et maintenant. Tour prend A1. Enfin, dame prend 1. Pardon. Et là, du coup, bon, et que vous pouvez encore cliquer sur pause si vous avez envie. 3, 2, 1. Je remets en marche. Et en fait, ici, que les blancs en fait, ne peuvent pas prendre le pion D5. Et je vous laisse encore mettre sur pause si vous avez envie. 3, 2, 1. Je remets en marche à cause de. Tour prend F1. Et en fait, ici, en fait, et que je profite juste en fait, et du clouage du fou et de la tour. Enfin, du coup, du fou qui coule la tour, ce qui fait que la tour ne peut pas reprendre et le roi ne peut pas reprendre la tour puisque la dame défend. Voilà, donc, et du coup, c'était quelques petits extraits donc, que je tenais à vous montrer. Bon, en fait, que je suis désolé pour l'obscurité. Voilà. Bon, mais au revoir.